Salut la team, comment vous allez? Voilà, j'espère que vous portez bien, moi je vais super bien. Aujourd'hui, on va parler d'un instrumental Maimouna niveau supérieur, pour ne pas dire un instrumental commercial. Donc, on va travailler sur cet instrumental, je vous fais écouter la prod et puis on va décortiquer comment elle était composée, les astuces, la dynamique du morceau. Et puis bon, si vous voulez qu'on travaille également encore sur une séance de mix sur cet instrumental, mentionnez en commentaire et puis on en parlera dans les prochaines vidéos. Donc, j'ai juste fait la balance des volumes. Je vous fais écouter la prod et puis on revient pour décortiquer ça. Voilà, c'est parti. It's burst on the track. Voilà, on a écouté, maintenant on va décortiquer ça. Bon, je veux commencer, je vais vous présenter exactement comment j'ai commencé. Vous voyez, j'ai commencé par l'accord. J'ai commencé par l'accord, j'ai commencé par un piano. Oh, le piano, j'ai transposé, donc transposition, j'ai transposé. De base, il est ici. Bon, j'ai transposé, j'ai mis ici. Et puis ça fait. Voilà.
comment est-ce que je vais traiter ça? Je vais acheter peut-être un stéréo shaper ici pour élargir un peu ça. Mais bon, comme c'est pas encore le mix, c'est juste le beat. Voilà. Et puis je mets un deuxième piano. Cette fois-ci, c'est un piano électrique que je mets. Et puis je mets un pad. Trois mélangés, voilà ce que ça donne. Voilà. Dès que j'ai fait ça, dès que j'ai fini avec ça. Deuxième chose que j'ai faite, c'est quoi? J'ai ajouté une mélodie. Mélodie qui est pour moi, sera la mélodie un peu qui va revenir de temps en temps. Qui est cette mélodie-ci? J'ai deux guitares. La première guitare, c'est une guitare de Triton Cork. Après, il y a une deuxième guitare, une guitare de Contact. C'est ça la guitare. On a les deux mélangés, ça fait. Voilà. Dès que j'ai cette guitare, j'ai une autre guitare mute qui joue comme ça. C'est un instrument. On a les deux guitares mélangées. Voilà, là j'avais déjà ma basse. Vous pouvez peut-être, on va dire quoi, vous pouvez paner ça. Comme ce n'est pas encore traité, vous voyez, c'est un peu brouillon. Mais bon, lors du traitement, on va éclaircir ça. Et puis, j'ai commencé avec, dès que j'ai fini ça avec ma basse, je lance une fois avec le snare. Excusez-moi, depuis, ça ne donne pas bien parce qu'il y a le paramètre que j'ai oublié. J'ai oublié d'enlever ça. Ouais, c'était pas clair depuis. Bon, on refait, ça joue comme ça. Donc, vous voyez, c'est le paramétrique là étant en train de m'étouffer le son. Je me pensais même pas. Donc, on a dit les trois mélangés font ça. Avec la guitare. Donc, ça fait. Après, ça, je suis parti sur ma rythmique. Le snare, vraiment, c'est ça qui m'a donné le groove encore. Vous voyez comment je joue ça? Je suis en un système, les gars. Et ça, la particularité du snare, on va dire Maïmouna, un peu drill, parce que c'est un mélange de drill aussi. Donc, ça fait couper, décaler, ça roule un peu comme de la rythmique drill, quoi. Les claps drill. Après avoir juste ça, j'ai ajouté un autre clap qui fait. Voilà. Après, je joue un shakers. Vous voyez ça, tape à gauche, à droite, venez si tu pannes. Vous bougez comme ça. Voilà. Après, il y a un hi-hat. Donc, ce qui fait en sorte que les
Les deux mélangés, ça, la rythmique, après la rythmique, il y a maintenant le kick, pas les snares. Voilà. Et puis ma rythmique mélangée, voilà comment je joue toute ma rythmique. Voilà. Et puis, il y a mon 808 que j'ai joué. Voilà comment il joue. Ouais, c'est où j'ai les slides. Ouais, je joue avec les slides. C'est ça qui fait vraiment la 808 drill. Et puis. Après avoir joué ça, vous voyez, la rythmique, le morceau est fini. Bon, c'est vrai, ici, il y a une deuxième guitare. Il y a une guitare ici encore qu'on n'a pas parlé, cette guitare-ci. Bon, il y a une qui joue déjà comme ça. Une deuxième. Voilà, et c'est fini, c'est la même chose du début à la fin. Maintenant, la seule différence sont les arrangements. Bon, aussi, on a une grosse basse qui joue comme ça. Triton, la basse des tritons. Oh, j'aime ça. Voilà. Voilà. Et puis, il y a encore quoi? Il y a encore quoi que j'ai joué? Il y a ça, un kalimba. C'est fini. Et puis, la seule différence, maintenant, sont les arrangements. On a voilà, toutes les mélodies qui ont été jouées. Maintenant, la différence, c'est maintenant au niveau des arrangements. Vous voyez, vous faites des petits jeux comme ça pour casser un peu l'ambiance. Regardez ici. Vous voyez, non? Des petits jeux comme ça. Il y a encore un petit jeu. Oui, il y a un autre petit jeu ici. Vous voyez, ça c'est le truc de le 808 qui a été joué. J'ai juste coupé la dernière partie là. Et j'ai changé mon kick. J'ai rendu mon kick plus animé, un peu comme un appellement. On va dire, c'est un peu comme une sorte d'intro dans un nouveau rythme musical. Que du rythme musical, veut dire un nouveau univers, quoi, un nouveau esprit, un nouveau état d'esprit. Ouais, c'est fini. Donc c'est fini. Vous avez un peu parcouru de façon générale tout ce dont j'ai été, tout ce que j'ai utilisé pour dans la prod. C'est tout. J'ai juste maintenant fait les arrangements. Donc il y a encore quoi de bon. Il y a peut-être la rythmique, la roulade ici. Voilà, rythmique. Voilà, je reviens plus sur les roulades. On a tellement parlé des roulades. Donc, ça donne un peu l'effet coupé-décalé. Ok, les gars, c'était tout pour ce tutoriel. Je vous ai un peu présenté de façon générale comment faire un Maimouna, un instrumental Maimouna, vraiment, version supérieure. Bon, prochainement, on va parler du mix de cet instrumental, peut-être. Bon, on va voir. Donc,
À plus les gars, j'espère que vous avez pu capter quelque chose et puis j'espère que ça vous a inspiré pour ça vous a un peu inspiré pour certains de vos prods. Ok, donc les gars, merci, à plus, ciao ciao pour un rendez-vous prochainement pour un autre tutoriel.